Voiture. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. The floor is now given to Nunchia's defense. Va être donné à la défense de Nunchia questions, qui pourra répondre aux questions posées. As put forward by the trial chamber, you may proceed. Je vous en prie. Maître Thank you, Mr. President. Merci, Your Honor. Monsieur le Président. Good morning, Council. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Bonjour, chers confrères. We shall be brief today, Mr. Nous serons brefs aujourd'hui. We have no submissions Nous n'avons pas d'observations ou de conclusions specific à ce stade paragraphs sur le point de savoir quel paragraphe précis de l'ordonnance de clôture devrait être ajouté à la portée du procès. No specific submissions Donc, in respect of paragraph de conclusions two précises concernant of the memorandum le of your paragraphe trial 2 du mémorandum de la Chambre. In respect of Paragraph 3, en ce qui concerne le paragraphe 3, reiterate what we have argued nous répétons yesterday. Ce que nous avons dit hier. Yesterday we argued that we hold hier, the position nous that avons no dit witnesses que nous, should be heard aucun témoin ne devrait until être entendu tant que issues la Chambre n'aura pas the rendu scope of sa the trial. Décision concernant la portée du procès. Any witness already scheduled, si whose evidence could reasonably be expected des to témoins to touch sont upon déjà any new issues programmés not previously included within the scope et dont on pense que sa déposition of case 002/01 des questions qui n'étaient should, pas in our view, be delayed inscrites dans le cadre for a period sufficient to allow all parties to adjust un, their preparation. Toute déposition de ce type devrait être reportée pour Concretely, que les parties puissent Mr. s'adapter. President, that means that the questions raised by the trial chamber in numbers 3 and 4 of paragraph 3 pour ce qui est des questions posées aux alinéas 3 et 4 du paragraphe no 3 testimony notre position consiste à dire experts qu'on ne saurait Short entendre and Becker, les témoins Short et and of witnesses Becker TCW 724 ni TCW 794 794 110 should be given. So no testimony of those experts Donc, and witnesses de until de ces témoins the decision experts has been made tant que la by Chambre the trial n'aura pas rendu sa décision. We do have two small points for clarification. Deux we have read in the memorandum présent, that the trial chamber has indicated that there might be problems with the two experts, y avoir Short des problèmes concernant les deux experts, and Becker. Short et Becker In for them to come here des problèmes to testify, à les faire venir déposer. We understand it to be such that Nous they have been rescheduled and so many times that they might be leur déposition a été reprogrammée à plusieurs reprises et que peut-être ils en ont assez. I don't know if that's the case, but we would like peut-être to have qu'ils ne veulent some plus déposer. Nous n'en savons rien, mais nous aimerions obtenir des éclaircissements. Par rapport à ce qu'a dit l'accusation, the timing of Philip Short as an expert. That is in the memorandum scheduled next Quand week, but also the defense team. La déposition de Short, the defense has le mémorandum anticipated that indique next que week c'est pour la semaine prochaine, no mais nous aussi nous pensions que la semaine prochaine be, ce serait des vacances judiciaires sans déposition de témoins, experts. Then I'll go back now, Mr. President, to paragraph 1 Je reviens of à présent number 3, that is the issue of du paragraphe health 3, of our client. C'est la question de la santé de notre client. I agree with Mr. Lysak comme Monsieur Lysak when he said this morning that je crois experts can only determine if our client que les experts pourront seulement dire si nos clients it's, sont it's aptes not possible actuellement. For them to sort of give a Ils schedule on proposer how the fitness of our client is developing de prévision in which way. Quant à l'aptitude say, de nos clients what à I can say is that our client is getting better. Ce que je peux dire, c'est que l'état de santé de notre client s'améliore. Nous As en sommes know, ravis. Said, I have said earlier that he has Comme been, je l'ai déjà that dit, he was approaching death. Il était well, sur le point d'agoniser. We all are in this life, but, dans cette vie, nous avançons down, tous vers la mort, say. Certes, mais pour lui, ce Actually, rythme he se hopes to be fully fit, Il espère être pleinement apte dès que possible. It seems that he is
recuperating in the period of recovery that stands for acute bronchitis, which is usually 4 to 6 weeks. En cas de bronchite, 4 à 6 semaines, et après s'être remis, il espère pouvoir participer pleinement au procès. I move on now, Mr. President, to answering the points raised in paragraph 4 of your memorandum. Au paragraphe 4 du mémorandum. As you know, when he was in hospital, our client has waived hospitalisé, notre client two or three times his right to be present during testimony. Pour la déposition de certains témoins, et ce, this might reprises, be the case in respect of S21, if that is indeed going to be your decision. Si effectivement la chambre se prononce dans it's ce not, sens, not very likely that he's going to waive if that question arises, substantial S21 witnesses. Qu'il and I think renonce our view is that we will cross the bridge when we get there. À son droit pour d'autres témoins, mais nous verrons bien au moment venu. Say is that, and this is also replying a little bit to points raised by the co-prosecutor yesterday, that in August we have come up with a list of 31 potential witnesses une liste de 31 témoins in the event that S21 is added pour to the scope of the S21 trial. We are currently reviewing du this list. Actuellement, nous examinons and cette liste. It's not unlikely that the number of witnesses et on that pas list que le will be brought de down. De cette liste ne se but it was simply not possible to come up with a definite answer in this respect because we haven't been able to speak to our client on this specific point notre because of the fact that he was brought back to the prison. Car we only had limited time to speak to him, but we will get back nous avons eu peu to de this temps issue. Pour discuter avec lui après son but retour of course, à la prison. Nous y reviendrons reiterating toutefois. That in our view, S21 nous, should not be part of an extension of the scope of the trial at all. D'inclure S21 but if it does, dans la portée du procès, we will come up with à titre a review subsidiaire, of si cela est décidé, the witnesses nous allons réviser notre liste de témoins assez rapidement après que la Chambre aura rendu sa décision. I'll move up, Mr. President, to the last point of je passe paragraph 4, au dernier point du and that is the admission into evidence of case 001 transcripts du versement concerning au débat S21. De transcription de déposition de témoins sur S21. If we will contest the admission si nous contestons of those transcripts, that depends, l'admission de in ces our view, of course, eh bien, on which particular evidence is contained des within éléments the transcripts. De preuve. We are fully aware of your decision, nous sommes pleinement and de votre décision. We will review the particular evidence that is related into those transcripts, and we will object nous if necessary. Nous allons, le cas échéant, formuler des objections en fonction des éléments de preuve concrets contenus dans ces transcriptions. President, thank président. You, Defense Counsel. Merci, the floor maître. Is now la parole given est à présent to Yeng-Sari's defense. À la défense de Yeng-Sari. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors, and good morning to everyone in and around the bonjour courtroom. And again, thank you very much, Your Honors, bonjour. For giving us merci this opportunity to answer these questions. L'occasion de répondre à ces questions. So let me begin on paragraph 3 par le with the first 3. Issue. Avec la première question soulevée. The way I read the question, ma lecture de la question, you're la asking suivante, whether vous nous demandez or what impact the what we hear from the doctors will have on the scheduling or de l'expertise médicale sur our le calendrier is first we have to have the medical reports. Il faudra avoir les rapports médicaux. You have to have the medical reports. Les juges aussi devront les avoir. And once you have the medical reports cela, from the doctors, then you will be in a better position to at least know what their current condition is quelle est leur situation and what actuelle, is projected down the road and what recommendations they may have. Which is why I thought the question coming from Judge Fens was right on point concerning whether we have to have half days, 3 days si a week, or what have you. So until we hear from the medical doctors, il faut donc attendre I don't, le point de vue des experts it is médicaux. Our submission
You're not in a position to really fully address that issue, especially when the Supreme Court indicated that that is one of the factors to be determined, a factor which you indeed determined as one of the factors in your severance order. So that's our answer to that one. Regarding the second question to paragraph 3, maintenant, la deuxième question, it's more of a statement, but it's our position that two or three weeks is highly ambitious, especially if you're going to have to come up with a plan. And we submit, whether you go with option number one or option number two, you still have to have a plan. I don't want to repeat myself, but you have our submissions on that. Et vous allez devoir entendre les arguments des parties là-dessus. Je ne crois pas que vous puissiez tout simplement closing order that would not be tried to some other date or a year thereafter after you render your judgment. So I would say that it's more likely to take a month. Prononcer du jugement. Donc, je pense and que votre décision devra prendre moins I am of the opinion, or we are et the je suis opinion, d'avis. Nous sommes d'avis. We want a reasoned decision before anything is done. Qu'une décision the simple reason motivée is this. Doit être rendue avant que l'on it's fasse quoi que ce soit issue a decision. Et c'est une, pour une raison très bien simple. Il est facile the reason, de the reasoning behind the decision mais ce sont les motifs de cette décision or the lack thereof, or supposed lack thereof, that brought us here in the first place. L'insuffisance supposée. So not to say, well, gee, you know, don't worry about it. En sorte que nous sommes là aujourd'hui. We'll accept your reasoning down the road. Well, vous pouvez pas nous attendre à ce que not so. Especially if the plan that you on acceptera les motifs propose, qui viendront, which you have to propose possible. If you go with number one, si vous choisissez I dare say even number two, l'option numéro un is not accepted. Si or the reasoning is not accepted. Que se passe-t-il so si vos motifs ne sont just pas give us a decision, acceptables then we'll go donc, forward, de dire, your reasoning donnez-nous is still gonna, your decision will still be subject to appeal, which may be subject to more delays. Rendez la décision plus tard, and therefore, sera toujours I don't think susceptible that is d'appel, such a good et il y aura d'autres retards par la suite, donc je ne mind, pense pas que ce soit une bonne idée. The defense gardez did not à l'esprit que la défense n'a pas interjeté appel de votre ordonnance de disjonction. In fact, we supported. En fait, nous l'appuyons. And if you read very carefully my response to et the si appeal, I was rather critical in the manner in which the prosecution was interpreting the order and the law that they were relying on. But that's another story. So, but I want to make sure that everybody knows where we stand. Les principes de droit sur lesquels elle était fondée. With respect to Short and Becker, pour let me start de la comparution with de Short et de Becker, by saying je débuterai they're journalists en that wrote books, ce sont des they're journalistes not experts, qui ont écrit des you ouvrages, call them experts ce ne sont pas des experts, all you want, on peut leur donner but they're not necessarily experts, experts. Mais ce ne sont they pas may nécessairement have des something experts. To contribute. Il est possible qu'ils aient des we choses submit à dire, whatever it is, débat, it should be based on what they actually know, what, not what they've read from other academics and have repackaged and put the spin to in their books. But be that as it may, with respect to Elizabeth Becker, en particulier sur le it sujet is widely known Becker, that she comes to Cambodia often. Qu'elle vient souvent au Cambodge. And so, while it may be an inconvenience for her being rescheduled, certes, il peut être as far as elle, I am personally reportée, aware of, she seems to enjoy coming to Cambodia. Elle semble bien aimer venir au Cambodge. And comes rather often. Et vient she has some attachments to NGOs souvent. Over here. Elle a des liens so avec I'm des certain, ONG ici. Given the fact that this is a trial that is being covered around the world. Compte tenu her book de la notoriété is internationale de ce procès, for du sales, fait que l'on I'm discute de son ouvrage, ce qui pourrait augmenter les ventes, Mr. d'ailleurs, Short, if they wish, will probably come. Je pense que Short so, et Becker viendront. And frankly, I don't think that decisions by the trial chamber at this stage, et je ne pense pas, given the magnitude of the issues, because if you look at the Supreme Court chamber, one would think that it was almost midnight at the ECCC à la lecture with the order de l'arrêt de la Chambre de la Cour suprême, sever, on a pu croire que that we should be concerned so much about au bord du gouffre, Becker or Short or any other witnesses. Je ne pense pas schedule. Qu'il soit judicieux right now, we need to get de this right. Prévoir la comparution and de Short, de Becker ou qui que ce soit d'autre. Il faut régler la question dont nous sommes saisis. L'approche la plus efficace est que la Chambre deliberate. Come up with this very comprehensive reasoned decision, which is expected from the prosecution as well as from the Supreme Court.
à laquelle s'attendent les procureurs que la Cour suprême, mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas entendre les témoignages importants tout en rédigeant to all the fine, legal officers that are assisting the trial décision, et ce, sauf tout le respect que je dois aux juristes de la Chambre. Je ne pense pas manquer je pense que les juristes sont très talentueux et brillants, mais en bout de ligne, ce seront les juges qui devront, avec leur personnel, en arriver à une décision motivée. The Supreme Court will be looking at rather carefully, et je n'ai aucun doute que la Chambre de la Cour suprême se penchera et portera toute son attention à la nouvelle ordonnance de la Chambre, compte tenu du ton et des remarques gratuites, presque personnelles, que la Chambre de la Cour suprême a fait dans son arrêt vis-à-vis de la Chambre de première instance. Quant à la prochaine question, je pense que j'ai déjà répondu sur le sujet des autres témoins. Nous maintenons notre position. Aucun témoin ne devrait être cité à comparaître. It makes no sense to call some witnesses now, take some of their evidence, civiles, and then call them back later on. There is a logistical becomes a logistical nightmare. Cela devient un cauchemar de logistique. Plus, might I add that this institution at this point in time is barely able to pay le tribunal. The most important people peine in this institution, à payer ses membres les plus importants, c'est-à-dire le personnel cambodgien, sans lesquels le tribunal ne saurait fonctionner. On a timely basis. Ne saurait donc peine à payer son personnel en temps. Bringing witnesses back to give evidence. Attends, et donc so de I think faire that's comparaître also a logistical des issue that témoins needs to be, à nouveau, c'est un souci logistique dont and, il faut tenir compte. But we maintain because I don't want to be misunderstood that somehow I have come in here with a different position, but we maintain that the easiest way not to lose time is to try the entire case, which means that d'élargir le champ du procès starting toute after, l'ordonnance assuming de next week is indeed donc, a recess, which is que what la I believe it was. Est une vacance judiciaire, ce but que assuming je that moi. Is the case, the following Monday, we can begin le lundi hearing the witnesses that we have planned while the trial team que l'on avait prévu begins pendant to put que la Chambre prépare a plan for calling the rest of the witnesses. Son plan pour hence, faire comparaître tous les autres hence, témoins. No waste of time. Et in fact, if we do it that way, et de procéder you de cette don't even façon have to draft signifie que vous n'aurez même pas à rédiger you votre ordonnance de disjonction. Vous n'aurez choice même pas number à choisir one, number choix numéro 1, choix numéro 2. And the prosecution, for a change, et l'accusation, they will not pour changer, stand up and enfin, say, gee, you were, that wasn't one of the options non, that was given to you by the Supreme Court. La Cour suprême vous avait donné. Because you have unfettered discretion when it comes discrétionnaire to the entire closing order. And you can try it. And we d'engager submit les poursuites that sur is the only reasonable toute l'ordonnance thing to de clôture, so et c'est d'ailleurs ce qui, selon month, nous, est la chose raisonnable à faire. Donc, why not begin plutôt que de by hearing the pourquoi evidence ne pas commencer tout de suite à entendre we already are scheduled to hear des positions while making, qui sont prévues au calendrier, plans to hear tout en the prévoyant other evidence. And as la I've indicated, comparution des autres. Keeps talking about their burden of proving et the case, which I agree. L'accusation nous rappelle souvent and qu'elle since a la charge de la preuve, by je suis the d'accord. Supreme Court, et la Chambre de la Cour suprême, in their interpretation, dans son interprétation, and in the manner in which they extrapolate ICTY jurisprudence, nous a rappelé, dealing du moins dans son interprétation, de la jurisprudence du TPY pour justifier ECCC et interpréter le réglementaire de la CETC, qui and that we are in this touche la disjonction et que l'on se retrouve dans ce système forward, contradictoire, eh bien, l'accusation devrait présenter list of witnesses, sa liste de témoins their list of documents et de documents for the entire case. Pour tout now le dossier 002. Now that there is this need to move with all deliberate speed, I am compte sure tenu de ce besoin de that this might have focused the mind in actually determining célérité. What are the real witnesses that they need to call, l'accusation the actual doit evidence dire quels sont to les témoins qu'ils doivent faire, qu'ils in veulent order faire comparaître, to prove quels their entire case. Les dépositions dont ils because ont besoin up until the pour time, prouver the pre-trial, the trial chamber tout le dossier. Decided to sever. The mind was not focused, car avant, as far as we're concerned, from the prosecution because they assumed that they could try their entire que la case, Chambre rende son ordonnance de disjonction, l'accusation n'avait pas caution to the wind, le choix en tête.
disregarding the age of the accused, et avait thinking déjà, we had, sans aucun souci this was going to be a walk in the park for the next two or three years, only to come to find out that there was a wake-up call by the trial chamber that one of the factors is that we might need to try this case in stages because of the age. À jeter une douche froide en rappelant qu'il serait peut-être plus approprié de procéder par étapes. Donc, je propose reprenne les audiences lundi 8, que l'on fasse venir les témoins nécessaires, aucun besoin de laisser de côté des parties civiles qui avaient dû... Des parties civiles qui ont lutté pour être admises après que le bureau des juges d'instruction les avait rejeté leur demande de constitution. And, je propose donc que l'on procède de cette façon à partir de lundi. We're going to try this case with a limited amount of witnesses, a limited amount of time, and I sort of hesitate to answer this particular question in the way it's framed. À la question, see, la façon the trial chamber seems to be inviting us for our opinion. Nous à and I'm reminded, notre opinion. I'm reminded of Mark Twain, et en fait, great je pense American à Mark Twain, author, grand novelist, auteur américain, who once commented about statistics and the use of statistics. Because when we're talking about how many witnesses, how many days, how much time, we're talking about statistics. And this was his observation about statistics. Et voici ce que Mark Twain avait à dire sur les statistiques ici. There are damn statistics, and then there are lies. Now, what did he mean by that? Foutues statistiques, et il y a des mensonges. When we're dealing with numbers, quand on parle des chiffres ici, statistiques, they're malleable. Les chiffres sont malléables, faciles à manipuler, faciles à mal interpréter. Their statistics of 11 days, et donc, maybe ce chiffre de 11 jours, weeks, ce pourrait être 11 semaines. To the actual addition that they're asking. So, we hesitate to simply rely on statistics, quand on but pense we certainly aux allégations factuelles qu'ils souhaitent rajouter. Donc, nous sommes that the trial chamber must have, que la chambre must have considered the 11-day projection that the prosecution had already informed the trial chamber que cette estimation de 11 jours dont les co-procureurs avaient déjà informé at the very end la chambre that asked for additional expansion of the scope. This was not a figure that we just heard for the first time or that you heard. Now, donc frankly, ce chiffre I cannot believe lorsqu'ils ont demandé the trial chamber à élargir le champ, mais ce n'est pas quelque chose qui était that figure into nouveau. Its own accounting. And perhaps et donc, with the knowledge of what is at stake, probably scratched their heads, the judges, said, you know, something doesn't sound right. 11 days sounds a wee bit too short and a wee bit too unrealistic. Ça semble and so unrealiste that's why I'm reminded of Mark Twain's use of his characterization of statistics. I think it is, Mark Twain. We are on perilous ground if we're going to rely on this 11-day projection. Si l'on accorde trop everything will be happy and solved jours, in 11 days, estimation. Especially if we bring in all sorts of stuff coming in from other cases or other surtout statements si l'on fait or other transcripts, which admettre des transcriptions we are on des record, we will oppose. Et nous l'avons dit, nous nous opposerons à une telle pratique. So, to answer the questions, on the projections, we've already indicated, pour répondre à votre question, as far as you know, how many days each of these witnesses, these are what I would call known unknowns. Nous avons des, en that's fait, how ce que I would des I would borrow a phrase from Rumsfeld, connus, not that I want to, but je the ne veux pas citer former Donald Secretary Rumsfeld, of Defense. L'ancien secrétaire de la défense américain from the United States said that there are known unknowns and there are unknown unknowns. Il y a des inconnus connus et des inconnus inconnus. Known unknowns. Et cela fait partie I know de ces... that I don't know. Il a dit en fait je sais ce que je ne sais pas. And neither do you, Your Honors. And so we have je to sais see que how je it ne sais goes. Pas. Et ce qu'il avait dit. Et donc il y a des inconnus. And that's inconnus. Why I think it's much connus, more prudent et to c'est pourquoi je pense qu'il est beaucoup plus prudent. With the entire trial. Question number 2. Avec le dossier 2 dans son ensemble. Could the defense teams indicate whether their client's willingness to waive their right to be present? Well,
I think we have been loud, les équipes we de have défense been clear, we have been peuvent-elles consistent. Indiquer si leurs clients seraient disposés à renoncer à leur droit d'être présents? And let me repeat myself. Clairement, for our position répéter, thus far, we have filed written submissions with our client's written waiver. I mean, written notice to the trial chamber that he does not wish to waive at any point in time his presence. Now, there may be the exception. There may be the exception, but I can sure inform the trial chamber that at this point in time, it is his intention to not waive his right to be present. He's entitled to that as much as somebody who is robust and young and able and willing to sit through the trial. And if this institution is going to abide by the so-called international principles and standards, which are embedded in the Cambodian Constitution and are attached to the jurisprudence of the ECCC and the agreement and what have you, then la jurisprudence this de wish has to be abided. This il faut exercise of his right has to be granted to him and cannot be taken away. De l'accusé, et il faut lui permettre d'exercer son. I believe that answers that question voilà in a rather qui, crois, unequivocal fashion. Répond assez clairement à la question. Then we get to question number three. Puis, question 3. Whether the defense teams should, whether si or not they would seek de to contest the admission into evidence ou non from case 001, de transcription de déposition concerning S21. De témoins fait dans le cadre du dossier 001 relatif au centre de sécurité let me just be very de S21. Yes. Oui. We will. Nous y we will be contesting nous that. Nous opposerons in fact, we will be contesting everything that will en fait, be that the prosecution may try to bring in either from 001 any transcripts or testimony. I mentioned that. It wasn't by coincidence, 001. And it certainly wasn't by serendipity that I stood up and I asked concretely whether the prosecution's directement à l'accusation, projections si that we heard on Monday, les estimations where they represented to you that this is just a mere 11 more days, whether they also factored in the testimony. Ces 11 jours, si cela and there was a question from the bench. De l'admission and if you look at the answer, it was never really answered. Par les juges, et and si so vous lisez les transcriptions, I suspect that they will try to admit, and the trial chamber may try to admit, but we will object. Qu'ils chercheront à faire admettre ces éléments de preuve, so, et la chambre no quarter thought, none given. Demande, mais nous y we're going to try this case. The prosecution has a burden. They know what their job is. De la preuve. They're prepared. Son travail dans ce dossier. They're organized. Elle and so, elle s'est but organisée. They're going to have en to follow the proceedings and the procedure mais il va falloir suivre la that procédure are consistent with the international principles. En and we will be objecting to anything coming in where our client's right of confrontation nous is compromised. Lutter period. Contre une violation du droit de notre client à la confrontation. I trust my comments are sufficiently answered the trial chamber's questions. J'ose espérer que of course, mes I'm remarques available, ont répondu assez clairement to answer any questions the bench de may la have. Chambre. Je peux and certainly, we will look forward, we will look forward, or we are et looking forward, I should say, nous avons to replying hâte, to the prosecution's reply, sur rebuttal or rejoinder, as it said, should the trial chamber, should the trial chamber grant this wish, which seems to be to have been made by at least the civil parties, si la chambre and perhaps the prosecution has already anticipated to be asking your honor. Thank you very much. Du moins celle que nous anticipons, la requête que nous pensons qu'il vous présente. Thank you, counsel. Le président. Given to merci, maître. La parole est à présent à la défense de Kyusan. Merci, monsieur le président. Thank you, Mr. President. Je pense que je serai aussi rapide. Évitant de revenir sur les sujets pour lesquels nous sommes d'accord avec les autres équipes de défense, sur la question de l'importance de la santé des accusés, je dirais que, bien évidemment, nous sommes entièrement d'accord avec ce point. Mes confrères des deux autres équipes vous disent plus vous jugez la totalité de l'ordonnance de clôture, plus vous jugerez rapidement. Sur ce point,
judge from the closing order, the quicker you will proceed. D'accord sur le principe, et c'est pour ça que j'ai dit hier que c'est ce qu'il aurait fallu faire probablement dès le départ. Simplement, je suis peut-être un petit peu plus pragmatique. Je prends en considération le fait que ce procès a commencé depuis un an et demi. Je prends en considération justement la question de la santé et le fait que mon client est en bonne santé et qu'il a droit à un procès dans un délai raisonnable. Je prends aussi en considération ce que l'évaluation que je fais de l'opinion de votre chambre jusqu'à maintenant, à travers non seulement la succession des décisions que vous avez rendues en matière de disjonction, mais également à travers l'impression qui se dégage, selon moi, des questions telles que vous les avez formulées en préparation de ces audiences, dans vos deux mémorandums auxquels nous tentons de répondre depuis deux jours. Et il me semble que votre chambre pourrait être tentée de continuer à réfléchir sous la forme soit d'une option 1, soit d'une option 2, mais dans tous les cas, et pour nous, équipe de défense de Pieux Sempan, je l'ai dit, cela revient au même, cela signifie une succession de procès, et succession de procès signifie, selon la Cour suprême, que vous devez nous dire comment vous comptez faire et comment vous comptez passer et régler toutes les questions techniques et juridiques que posent la disjonction et la succession de procès pour M. Pieux Sempan. Alors, pour ce qui concerne les témoins que vous pourriez décider d'entendre avant d'avoir rendu votre décision, notre position, elle est la même que pour les autres équipes de défense. Je crois, et c'est en cela que je rejoins effectivement ce qu'ont dit mes confrères, que ça suffit. L'usine à gaz est déjà assez compliquée comme ça. On voit bien, avec cet exemple que j'ai cité hier sur votre demande de rédaction préalable d'une partie des mémoires finaux sur le droit applicable, que à chaque fois qu'on tente d'anticiper une difficulté, eh bien, cela se répercute et prend des conséquences en matière de temps que nous passons à régler et à gérer ce procès. Donc je pense que la sagesse, c'est de suivre la décision que vous avez prise pour les deux témoins qui étaient prévus cette semaine, à savoir de ne pas entendre de témoins tant que vous n'aurez pas statué, rendu une décision complète, motivée, motif et dispositif sur ce que vous comptez faire pour l'avenir. J'insiste, comme l'ont fait mes confrères, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de nous adresser dans un premier temps un résumé ou juste le dispositif sans les motifs, tout simplement parce que c'est très exactement ce qu'a critiqué la Cour suprême. Et que si vous décidiez de procéder ainsi, eh bien, vous recommenceriez à prendre des décisions qui seraient contraires aux indications que vous a données la Cour suprême. Quant aux arguments évoqués par l'accusation selon lesquels M. Chandler aurait été entendu sur la totalité du dossier, je le conteste. Je me souviens très bien que lorsqu'il est venu à cette barre, Mme Cartwright a commencé
dès le départ son audition par indiquer à cet expert quel était le champ du procès. Je l'ai vérifié, quel était le champ du procès, du premier procès, pour signifier à cette personne que il devait se focaliser sur la définition que vous aviez donnée dans votre ordonnance de disjonction. Donc cet argument me paraît tout à fait erroné. De même, celui qui consiste à prétendre que nous avons déjà été avertis de ce que les experts Becker et Short devraient être entendus sur la totalité de l'ordonnance de clôture. Je vais juste citer un mémorandum que vous avez émis le 8 janvier 2013, dans lequel vous disiez à toutes les parties, c'est le document E236/4, que les auditions de Short et Becker, qui étaient prévues initialement pour 5 jours, ne le seraient plus que pour 4, et vous encouragiez les parties à limiter leurs questions au seul point relevant du premier procès dans le cadre du dossier 002. Donc, une fois encore, on voit bien que toutes ces difficultés qui surgissent au fur et à mesure de la modification du champ du procès sont susceptibles de continuer à nous causer à tous des préjudices, et que il vaut mieux poser les fondements sains de la suite du procès plutôt que de continuer à agir par anticipation pour ensuite être obligé de gérer les contestations des uns et des autres et revenir sans cesse sur des points qui auraient pu être réglés beaucoup plus rapidement. Ces observations valent bien sûr, je le précise, également pour d'éventuels témoins. C'est une position générale. Nous estimons qu'il faut attendre votre décision complète sur l'avenir pour recommencer à entendre des témoins. Question suivante, 4-1, sur ce que nous pensons de la prévision du temps par les procureurs. Je crois que j'en ai assez dit hier pour vous donner à peu près une idée de notre opinion à cet égard. Nous rejoignons les autres équipes là-dessus. On ne sait pas exactement comment ces prévisions sont faites. Est-ce qu'elles tiennent compte de nos interventions aux uns et aux autres? C'est de la cuisine. Mais ça n'est pas, ce ne sont pas des prévisions qui sont suffisamment explicitées pour que l'on puisse en tenir compte, d'autant qu'elles contredisent des prévisions qui avaient été données en août 2012. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le procureur, lorsque vous lui avez opposé sa précédente estimation à 33 jours. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer, question suivante, par avance à notre droit d'être présent au procès? Bien évidemment, la réponse est négative à cette question. Et enfin, est-ce que nous contesterions l'admission des transcripts du premier procès 001 si elle était demandée par le procureur pour justifier son délai de 11 jours? La réponse est bien évidemment positive, comme les autres équipes. Nous examinerions et nous contesterions si nécessaire. We will review the situation and, where necessary, raise objections. Thank you. The President. Thank you. Merci. Now I hand over to the co-prosecutors and the lead co-lawyer for the civil party to respond to the various points raised by the three defense teams. You may proceed. Thank you, Mr. President. I will be fairly brief. First, in regards to the issues
raised regarding the health of the accused. Let me say that I appreciate very much Mr. Coppé's candor regarding the health of his client. Sur l'état de santé de son client. I think that is in line. I had assumed after thinking about yesterday that if the defense were proposing to this chamber that it hear the entire charges of case 002, that it was likely that their view that was that their clients were at least currently fit and likely to be fit for the immediate future in any event. We certainly appreciate his candor on that issue. And not just on that, let me add, it's refreshing to hear respectful and clear submissions coming from his chair in the courtroom. While we may disagree on the substance of them, we do appreciate a change that is taking place. And I would add, I appreciate also his indication that they would review the 31 witnesses that they had proposed. And I would add, I hope the same wisdom that led him to change his position on severance yesterday would also apply in his review of the witnesses that have been proposed. Au moment d'examiner la liste des témoins que la défense avait proposé. We do disagree with all the defense teams on this issue of whether the chamber should proceed with witnesses si la pending its decision. It was a little unclear to me what the Inksari position was, as he indicated that the court could start hearing witnesses a week from Monday. The first two defense teams did not really respond to the issue we raised regarding Becker and Short, which is that if the scope of examination has been authorized for them for all case 002 issues, there really is no reason not to proceed at this time. And Mr. Birkin did respond to that issue. I simply disagree with him. Je ne suis pas d'accord avec lui. The records are very clear that the court authorized the examination on the full scope, and that is also the case with the other witnesses. The key word in the document he cited is that the court encourages the party, recognizes that parties are authorized to ask questions on the scope where they are relevant to the witness, to what the witness knows, but encouraged, obviously, to focus on the most significant issues. We have obviously been preparing for these both of these witnesses for a long time, and I can simply tell you that there is no reason not to proceed with them. They are both witnesses that fall into this category I talked about yesterday of foundation witnesses, witnesses whose testimony provides the general foundation on which the court can consider all crimes. And nobody is proposing that additional time is needed. I think it is extremely unlikely that anything would arise which would result in the need to recall these witnesses. And we would encourage the court to proceed with them. Nous engageons donc la chambre à les faire comparaître. And the last point that I wish to address au dernier point de mon intervention. Is Mr. Carnavas taking issue with our time proposal. A contesté notre on the one hand, he has stated over and over again the importance of having a specific plan and schedule for going forward. But when we give a specific proposal on how to go forward, pour la suite he quotes Mark Twain. Il a cité Mark Twain. And I did not hear any counter-proposal from him. I did not hear him say we actually need more time with any of these particular witnesses. I did not hear that from any of the party. But
partie. This is your. This is within your power and authority. Cela we have made a proposal of the time that we believe nous is necessary for those witnesses. We believe it's consistent with the time that has been required with witnesses to date. I refer you to the proposal we made back in August, a specific plan that included time for all witnesses remaining to be heard in the case, which is E218/2.2. If you look at those time estimates, you will see that our estimates have borne out to be quite accurate. But more importantly, you set the limits. You can decide that 11 days is too much, that we really only need 9 days, or you could decide that we need a few more days than 11. That is your power to set the time and the schedule. And I think that responds to everything that the defense said, so unless the chamber has any more questions, I will cede the floor to the civil parties. The President, thank you. Merci. Now I hand over the floor to the lead co-lawyer for the civil parties to respond to the answer as well as the points raised by the three defense teams. À la défense. You may proceed. Je vous en prie. Your Honours, just very quickly, in response to counsel Michael Canavas's submissions, well, firstly, this is not a hearing about the characterization of experts or factual witnesses, and I don't think it's very useful to the chamber for counsel to be speculating about the willingness or not of expert witnesses to attend to give evidence. Yesterday, Counsel Canavas also suggested that Your Honours in the trial chamber have absolute discretion in respect of decisions on severance. And in fact, he reiterated just now that you have unfettered discretion in relation to the whole of the closing order. But counsel also now says that he might not accept a decision of the trial chamber if the plan or outline or the reasons don't suit his client, and that nothing can proceed until a full and reasoned decision is given. Ne pouvait se faire avant d'avoir une décision intégrale et motivée. We are now in à présent, a position of compromise. Nous efficiency and trial management needs to be balanced with the rights of all parties, including the rights of the civil parties to have a final determination in case two. Un jugement final dans le of course, as my learned colleague, the international lead civil party lawyer submitted yesterday, or the day before rather, in an ideal world, yes, all of case two would be tried before Your Honours. And the victims would have a voice and have their stories heard and be given the opportunity to raise in a public forum the atrocities which they have experienced. But we are in a position of compromise now, all things considered. And all of these things need to be balanced. Toutes ces choses doivent être dûment pondérées. In relation to counsel for Kyosung Fong's submissions regarding the trial chamber's memo of the 8th of January, E236/4, I reiterate and concur with the submissions made by the learned prosecutors. Rejoins ici l'accusation. Emphasizing that the trial chamber encouraged la chambre de première instance a expert examination to be focused on matters within the first trial. Les témoins experts encouraged. En se focalisant sur les questions relevant du premier procès. But of course, there are numerous rulings, oral and written, that experts can speak de décisions orales on et écrites, comme matters quoi les experts within the scope of the entire de tout ce qui of case 2. De l'ensemble du dossier 002. Finally, it is extremely difficult for the civil parties to see the logic in counsel's submissions that, and I'm speaking about counsel Michael Canavas, that it would provide the most expeditiousness to try the whole of case 2, when in the same submissions counsel says, and I quote, we will contest everything, we will object,
And this was just in relation to the admission of documents in case one relating to S21. Those are the submissions I have voilà in rebuttal. Voilà ce que j'avais à dire à titre de réplique. Juste un mot supplémentaire sur les transcripts, puisque je l'avais annoncé tout à l'heure. Votre chambre a rendu une décision sur les transcripts, ou en tout cas c'est comme ça que je le comprends, qui est la décision E96/7. Et votre chambre a motivé cette décision en expliquant de quelle façon les transcripts pouvaient être utilisés éventuellement dans le cas numéro 2, je parle des transcripts du cas numéro 1. Donc, j'entends la défense indiquer qu'elle fera des contestations à ces transcripts. Si la défense envisage de faire des objections, ce qu'elle peut faire évidemment tout à fait librement, il faudra quand même que ces contestations aillent au-delà de ce que la Chambre a déjà tranché. Vous avez déjà pris une décision sur un certain nombre de points et il n'est pas question, me semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que je comprends une décision de justice, de recontester ce qui a déjà été tranché. Donc il est clair pour moi que s'il y a contestation à venir sur les transcripts, il faudra que ces contestations sortent de ce que vous avez déjà tranché, tout simplement. Merci. Le président. The president. It has to begin in order, starting from the defense ordre. Team for Mr. Nguyen Chia. Commençons par la défense de Nguyen Chia. Replying to both the co-prosecutors and the lead co-lawyers for the civil parties. Et aux co-avocats principaux. Maître Coppin. Thank you, Mr. President. Président. We have nothing. To reply on nous the n'avons substance, pas de réplique to say quant that we au fond, do appreciate the words simplement, of the nous sommes reconnaissants envers l'accusation pour les mots employés à notre égard. The President, Counsel Canavas, you may proceed. Thank you, Mr. President. I'll speak Merci. Slowly. Je vais parler lentement. Perhaps some is being lost even Peut-être in the English language to the English speakers. Se perd même pour les anglophones qui m'écoutent. First, let me be clear so the prosecution D'abord, knows exactly where we stand. L'accusation connaisse when I indicated that we can begin immediately, that is a week from this Monday, I believe it would be March 4, je pense que cela and dire we would le lose 4 no mars. Time. We would not have to reschedule Ainsi, those who are already scheduled. On ne perdrait pas de temps, it's on the basis ne that we tried the entire case. Et c'était dans l'hypothèse that you would not have to waste your time writing a decision perdre du temps à rédiger and trying to figure out a plan. So I hope that is crystal clear. J'espère que c'est Second of all, tout à fait to my colleagues of the civil parties which seem to have misunderstood when I said unfettered discretion. You have unfettered discretion to try Une liberté the entire case. Absolue the Supreme Court has not said you cannot try 002. They have no authority 002. To do that. They have not stated that. And the civil parties ought to know that. Les parties civiles devraient le savoir. So you have that discretion. Les juges ont donc ce pouvoir. Now, should you choose si les juges not to try the entire 002 de ne pas juger l'ensemble case, dossier 002, then you will have to go to alors, option 1 or option 2. And while in option 2, the Supreme Court said, has not stated that you need to come up with a plan. Qu'il fallait un projet concret. We submit, you still will have to come up with a plan, because in this system, unlike the Anglo-Saxon system, you cannot simply dismiss counts. And to suggest that they could be out there suspended indefinitely while someone enjoys the right to an expeditious trial, it is nonsense. Alors que les accusés ont le droit I hope à un procès I'm clear rapide, on that cela point. Est absurde. J'espère avoir été clair là-dessus. As far as we will object everything, quant au fait oh, que gee, nous allons tout contester, what do defense lawyers do? Mais bon Dieu, they come fait and they defend their clients. Ils défendent son client. Perhaps I was misunderstood. Peut-être ai-je été mal compris. Perhaps I didn't know what my function was as a defense lawyer. Peut-être yes, que j'ignorais mes fonctions en tant qu'avocat de la défense. To be reasonable, je suis ici pour être to be cooperative, raisonnable, to be of assistance, pour coopérer, but above pour apporter all, ma contribution. I am mais here avant toute as my client's champion. Je suis là pour défendre la cause de mon client.
that he gets a fair trial, that his rights are protected. I'm entitled to use the rules and the procedures le droit de m'appuyer sur and to suggest les procédures. That I should just prétendre come into court que je with dois bended me knee, de venir with cup in hand, genou, seeking some sort of justice by admitting transcripts from a previous trial where the lawyer effectively took his client in and pled him guilty venant d'un dossier où l'accusé and a did not challenge much of the evidence, or if he did challenge preuves, evidence, it may have suited his case, alors, his strategy, his theory, and then you expect the Yang-Sari defense team to come in and si say, yes, we'll accept la défense de Yang-Sari that testimony without challenge. Ses dépositions that contestées. Would be, in my humble submission, à mon humble avis, ineffective assistance of counsel. I should lose my license je pas un should bon I je come perdre and defend mon a client this way. And si I dare say, I hope other defense lawyers do not do that. Je crois pouvoir dire que les autres, now, les how can I say we will object plus. To everything and ask for pourquoi an expeditious trial? Que what dit I am que suggesting, Your Honor, is we're rapide. Losing a lot of time and voici we've lost a lot of ground nous perdu figuring out where the contours are. Yes, our clients are, pour savoir, are of an advanced age. Certes, nos clients but sont d'un âge avancé, we can proceed a week from Monday mais with hearing lundi the evidence. En 8, nous pouvons that's what expeditiousness means. C'est ça, la and let me, since we're on that word, puisque how do we justify and how does the Supreme Court chamber justify mot, parking the rest of the closing order du reste de and at the same time afford expeditiousness? Tout en assurant la célérité it's schizophrenic. C'est de la schizophrénie. So, when I speak of expeditiousness, lorsque I'm talking about célérité, the entire case. Je and yesterday, we heard a rather eloquent, a rather hier, eloquent argument from the Kyu Sampan team de Kyu Sampan. When they were talking about the president. Le président. Please, counsel, be Maître, reminded to slow down for the proper record and please be specific to the point. You are supposed to only reply to the specific matters that were raised by the co-prosecutor and the legal lawyer for the civil parties because you were given time yesterday to address matters as well. So please respond, reply to only the to the responses by the two party, so you were supposed to only principaux. Respond to the last rien responses raised by co-prosecutor and legal lawyer. So please confine yourself to this area. If you try to respond, I believe that it will be lengthy and it may be even longer than the hearing yesterday, and please try to speak rather slowly for the proper record. Thank you, Mr. President. I was responding specifically to the lawyer from the civil parties who stood up and was flummoxed about how, on the one hand, I could say I'm objecting to everything, but at the same time arguing for an expeditious trial. So I just answered the role of a defense lawyer. Perhaps my colleague wasn't aware what we do on this side. And so perhaps that answers the question. Je pense avoir répondu à la question. As far as expeditiousness, pour ce qui est de la célérité, how can I argue both? Comment puis-je tenir les deux arguments as I was indicating, yesterday we heard dit, from our colleague from hier, the Kyu Sampan team indicate why Mr. Kyu Sampan is prejudiced because he's not getting an expeditious trial. En effet, il n'a pas un procès so, rapide. My point was, if we want to be expeditious, si nous voulons avoir let's un take the path of least rapide, resistance. There are ways of looking at the closing order, the entire closing order, and if the prosecution had a focused approach, I am sure they would find a way to try the entire case within an expeditious time frame. Dans un délai raisonnable. And as I was indicated, earlier, you have unfettered avant, discretion to say, since the Supreme Court, in the infinite wisdom, at this stage of the proceedings, suprême, in light of what is going on, sagesse, in light of all the other factors, et compte tenu de tous les autres facteurs, annul a rendu sa décision, your
puisqu'elle a, dans son infinie sagesse, annulé l'ordonnance de diligence. Nous, les juges de première instance, no sommes order. De retour à la case départ. Il n'y a plus d'ordonnance de diligence. Si to make alors l'accusation veut faire d'autres seeking severance, well, pour demander une diligence, alors, but you're within your rights. Pourra le faire. Mais vous, you are seized with les this juges, trial. Vous êtes responsable de ce so you can begin procès. To try vous the entire votre case. Droit, vous pouvez juger and l'ensemble say, du dossier. Do so. Nous and vous that demandons will be de le expeditious. Faire. Nous disons que ceci and as far répond au souci de célérité. Raising other objections, pour ce qui est des objections when que nous circumstances pourrions change, lorsque les circonstances even where fluctuent, matters may have been ruled upon, même quand une question a déjà été tranchée, il y a des cas a selon les legal circonstances objection où il convient de contester objection. Certaines choses sur le plan juridique not et procédural. That is frivolous, not ce ne sont pas one des requêtes frivoles ni répétitives. So require, si les circonstances I can assure the trial l'exigent, that the je peux dire à la Chambre que la défense de Yang-Sari n'hésitera pas to file submissions. À déposer des conclusions. I think the record is rather clear that we file submissions whenever we think it is necessary to have something resolved vu que nous or avons déposé to at least des make a proper judicial record. And we take to heart ou faire that notre issues that have already been ruled upon des questions that need ont not déjà be été readdressed. Tranchées. We will not readdress them. Et lorsqu'il n'est pas nécessaire we have been de rather examen, modest in our approach of challenging matters that we think need to be challenged and where issues have been resolved and where we are of the opinion that they have been resolved satisfactorily to our beliefs of what the law and procedure is, solution, we choose to accept them and move on, such as, to give just a one minor example, je prends juste un exemple, your order to votre sever the case. Ordonnance de disjonction. We accepted it, nous l'avons we supported it. Nous l'avons and then when the prosecution ensuite, moved for reconsideration, l'accusation a demandé son we parted ways with the prosecution là, because of the manner in which en they wished for you to sever the case. Au juge and I believe I've answered everything that was said by the by both parties on the other side. Thank you. Des deux parties du camp adverse. The President. Le Président. International Council for La Mr. Kyu Sampon. Est à you may proceed. International de Kyu Sampon. Merci, Monsieur le Président. Juste you, deux President. Petites mises au point. Just premièrement, sur la question des témoins Becker et Short, nous voyons maintenant que du côté, de l'autre côté de la barre, on vous dit que le mémorandum que j'ai cité en date du 8 janvier 2013 ne faisait qu'encourager les équipes à se focaliser sur l'objet du deuxième procès, c'est oublier que j'avais également indiqué qu'en plus d'encourager les parties à se concentrer sur le deuxième procès, par ce mémorandum, votre chambre réduisait de 20. Et si nous passions de 5 à 4 jours sur ce qui était prévu pour ces témoins, et quand vous êtes un avocat de la défense, que vous devez préparer l'interrogatoire d'un témoin, que l'on vous encourage à vous focaliser sur le procès tel qu'il est défini ce jour-là, et que l'on diminue encore le temps pendant lequel vous allez pouvoir contre-interroger ce témoin, qu'est-ce que vous faites? Bien naturellement, vous comprenez qu'il va falloir vous limiter à préparer et à questionner ce témoin sur l'objet du procès tel qu'il était défini au 8 janvier 2013. Donc je pense qu'il faut arrêter maintenant devant cette chambre de jouer sur les mots et de faire du bricolage. Nous vous demandons quelque chose de simple, une décision claire, posant des principes simples, garantissant nos droits, et nous avançons. Ensuite, deuxième mise au point,
ma consoeur pour les parties civiles fémine de prétendre qu'une décision aurait déjà été prise par votre chambre sur la question, la dernière question de votre mémorandum, à savoir l'admission des transcrits du procès de M. Duc. Effectivement, votre chambre a posé des critères sur l'admissibilité des déclarations écrites aux lieux et places des témoignages oraux, mais notre travail à nous, c'est bien sûr à partir du moment où le procureur propose des documents, de vérifier s'il nous semble que ces critères sont remplis. Et quand nous disons que nous allons, que nous nous réservons la possibilité de contester, eh bien, c'est de cela, en tout cas, nous, équipe de Kyo-Sampan, dont nous parlons.
the President. Le Président. On behalf of the judges of the bench, and in my capacity as the President of the Chamber, I would like to thank all the parties for expressing their views in relation to the question raised by the Chamber following the hearing of the views. The Chamber will render a reasoned decision in due course with regard to the scope of case 002 to be heard in the first stage based on the consideration of the factors and points raised in the decision of the Supreme Court Chamber on co-prosecutor's immediate appeal of the trial chamber's decision concerning the scope of case 002/01, document E163/5/1/13, by incorporating all the submissions and views of the parties concerned, and as for the scheduling of the hearing of the expert witnesses as well as evidentiary documents, two expert witnesses and four witnesses. The chamber has asked the parties for their views on paragraph 3 of the memorandum of the trial chamber dated the 19th of February 2013. The chamber will specify the date of the hearing. La chambre indiquera les dates de comparution de ces personnes. Of this issue tomorrow. Demain. The hearing of the testimony of the witnesses as well as the experts following this hearing and before the chamber renders the reasoned decision on the scope of the hearing in the initial stage. The chamber cannot make the decision now because the chamber will have to take every view of the parties into consideration, and the chamber will render the decision in due course to all parties concerning the scheduling order before the chamber render the new decision following this hearing. Sur la comparution des experts et témoins avant qu'elle rende sa décision sur en réponse à l'arrêt. The court is now adjourned. And the chamber will notify the parties for the next scheduling order in due course in relation to the hearing on evidence and witnesses. Security guards are now instructed to bring the co-accused back to the detention facility of the ECCC. Les accusés au centre de détention. And the chamber will issue an order again to bring them back to this courtroom. La chambre rendra une ordonnance pour les faire revenir au prétoire en temps utile.